Bonjour tout le monde, bonjour YouTube, on se retrouve pour tester ensemble Abeyance, un jeu sorti le 7 octobre 2022 au prix de 16,79€. C'est un jeu un peu roguelite, enfin c'est un roguelite. Du coup c'est... Alors je vais vous lire un petit peu le pitch du jeu et on va tester ce jeu ensemble. Donc Abeyance est un roguelite, science-fiction, donjon crawler, récupérer des vaisseaux spatiaux détruits dans un monde post-apocalyptique. Combattez les mutants et les systèmes de défense mécanisés, combattez vos démons intérieurs pour sauver votre âme et récupérer votre humanité. Ok. Donc le jeu est entièrement en anglais, il est en early access, il vient de juste de sortir en gros. On va le tester, un petit peu. Et on va faire... on fait le tuto ou pas? Non. Tuto? Ah, tuto quand même. En espérant qu'il dure pas 3 ans. Attendez, on va juste... qu'est-ce que c'est? Oui, je confirme. New game. Ok, donc là, ça va nous expliquer un peu. Bon, c'est full anglais, donc j'espère que vous comprenez un petit peu. Donc en gros, le monde a été détruit, hein, au cas où. Recovery Syndicate, ok. Bonjour. Hello Ezra, and welcome to the Recovery Syndicate. The war has killed thousands and left hundreds of thousands more without. Donc il y a une guerre qui a détruit plein de monde. A weather shield over their heads, tablets for their kids. We at the Recovery Syndicate cannot accept such injustices, can you? That's why we have started the recovery program. The program aims at salvaging all the items that have been left behind in bunkers, warehouses, starship wrecks. Donc nous on va partir chercher des choses pour sauver les gens. You will be one of the proud agents that will help us reconstruct this world and bring joy to these people's lives again. Recovery Syndicate. We rebuild our future. Nous refaisons le futur. OK. Enfin, reconstruisons, pardon, le futur. Donc en fait, voilà, on va devoir aller chercher, je pense, de la nourriture et des choses pour les gens dans les bunkers. Et on va voir ce qui se passe. Alors c'est un jeu avec la vue de haut. Voilà, comme ça. Très bien. Donc nous, on est Ezra, je crois. Ouais, bah Ezra, c'est marqué. Okay. On va simuler une mission de sauvetage. On va rouvrir la porte. Ok. Bon, j'imagine qu'il va pas falloir mourir. Hein. Il y a beaucoup de bunkers abandonnés en gros. Si vous voulez. Donc il va falloir qu'on trouve des drops en gros où il y aurait de la nourriture et tout pour les gens. On a un radar en haut. On a notre vie, notre énergie, notre attaque. Pourquoi je peux courir? Ah oui, je peux courir. Par contre, j'ai du mal. Faut se déplacer avec le clavier. La souris n'est pas prise en compte. Donc, pour courir et tout, moi, avec le clavier, ça va pas être évident. J'ai du mal un peu avec ça. Surtout quand on peut pas utiliser la souris. D'accord. D'accord. Au sud, du coup. Scan. Ok, donc on peut scanner tant qu'on veut. Ah, ça prend mon énergie, ok. Très bien. Mais par contre, du coup, on peut ouvrir maintenant. Ok. J'ai pas vu si ça m'a dit qu'il y avait un truc derrière ou pas. Ah, il y a un piège. Ok. Ça active un piège. Well done. Time to
to get some coffee before we head out to the first real mission. See you at the hangar. D'accord. Ok, c'était juste ça le tuto. Pourquoi pas? Donc là, on est dans le vrai truc, hein. It's time for your first real task. The procedure is pretty much the same. Move towards the door and scan the content. When you are happy with the information you've collected, open the door and let the drones retrieve the items. Très bien. Bon, il n'y a rien dedans, ok, donc on peut l'ouvrir. Just like that. Now move on to the next room. Ah, je l'ouvre. Hein. Je sais pas si on est obligé de scanner à chaque fois. Il n'a pas l'air d'avoir grand chose là-dedans. Alors j'imagine qu'il y a des monstres hein, normalement. Vas-y, scan. Ok, il y a un bruit qui pue un peu, non? Ah non, c'est un drone. Donc ça, c'est bon. Je crois que ça amène la bouffe aux gens. Hein. Je suis pas sûr. Ok. Qu'est-ce que ça dit? Ah, il y a une forme de vie. Mais sinon, ils savent pas trop. Ok. Bah, ouvre, hein. You said it was child's play. Well, it is. Most of the time. I mean, some old-fashioned defense systems cannot be... D'accord. Alors, qu'est-ce que faut que je fasse? One with your skills, no? Anyway, I've got you covered. Oh, il est mort. Let me introduce Rocky. Il s'appelle Rocky? Rocky. He is a support and rescue unit. Attendez, je vois pas. He will constantly monitor your health and energy, build shields to protect you, and extract you from the combat when your conditions are critical. Good D'accord. To know. So I'm basically invincible? Well, kind of. At least while Rocky. Donc lui il va me donner de la vie et tout ça et m'extrader quand ça va pas. Well done. Now, tell Rocky to start the evacuation sequence. Like how? Like you would do with another person. Our drones are super smart and can understand everything you donc say ouais, to ok. Z c'est quoi, c'est ça pour moi. Donc on peut évacuer grâce à lui si on va pas bien, très bien. Rocky, start the evacuation sequence. Très bien. Evacuation sequence starting. Un peu spécial, mais à voir. Je veux voir s'il y a des monstres et tout. Moi. Well done. You got some cool stuff. Now. You have to return all the items you've collected to the syndicate, but you can keep one of them as a thank you for your service. You can also buy one or more for a special price. Ah, je peux garder un truc pour moi? Buy? It's me risking my life. Attaque 31, vue attaque, ouais. And I have to pay for them? Do you think that you would be able to get down there and collect all of this gear? Elle parle un peu trop, elle, hein, mais bon. And the resources of the syndicate? And don't forget that all your efforts will help the reconstruction of our society. Oui, très bien, mais j'aimerais bien continuer. Moi, je veux garder je veux garder ça là. That's the spirit. OK, bah, je pense que ça a gardé ce que je voulais. Let's take a look at this panel now. From here, you will be able to manage your inventory, install implants and oh là, il y a beaucoup de trucs. Let's try it. C'est l'écriture est très floue, je trouve. Bon, alors c'est moi qui vois rien, c'est peut-être possible. Énergie. Donc si je fais ça, ça fait quoi? Ça c'est des messages, non? Implant, inventaire. Ok, pourquoi pas. Je sais pas ce que je fais. Shop. J'ai pas assez d'argent, ok. Travel. Alors. Good choice. Bon, on va faire le premier, hein, le cargo. You cannot live without. J'en ai pas.
Ah, ça les a enlevés, non? Attendez. Ça me les a mis où, ça? Nulle part? Ça, on n'en a pas. Donc, on a le pistolet et ça, je pense. On a deux armes. Attendez. Moi, je veux ça. Je peux? Primary slot. Bah, c'est ce que j'ai fait, monsieur, hein. Swap implant. Attendez. Attendez, attendez. C'est incompréhensible. On est d'accord que c'est mon inventaire. Équipède. Attendez. Ah, donc, ouais, non, ça y est, je viens de... Non, pardon. Donc, ça, c'est ce qu'on a. Et ça, c'est ce qu'on met de côté, on va dire. Et du coup, voilà, ça, normalement, ça devrait marcher, là. Ok, ouais, non, pardon, c'est moi. Autant pour moi. Ok. Ouais, ça lag un peu, hein. Peut-être calmer les graphismes, hein. Ok, ça ira un petit peu mieux comme ça, je pense. Quoique, c'est pas encore super fluide, hein. Bon, après, ça, il est pas encore... comment ? Il n'est pas encore bien opti apparemment. Je me suis mis en graphisme normal, j'étais en élevé, enfin en maximum, et en normal il reste quand même à 30 fps, hein. C'est pas extraordinaire. Ok. Non, scanne pas, scanne pas. Bon bah on va essayer comme ça, je vais pas mettre en l'eau, hein. Non, non, non. Et donc j'ai mon petit robot qui me suit, bah ça c'est cool. Alors d'ailleurs c'est assez étonnant qu'ils prennent autant de ressources pour un jeu vu d'en haut comme ça. C'est peut-être les effets de brouillard, etc, etc, mais quand même quoi. Arc tourne mieux que... Ah j'ai ouvert au pif. Arc et tout ça tourne mieux que ce jeu. Mais pourtant il est bien plus détaillé. Est-ce qu'il y a des trucs à choper? C'est quoi? On peut rien... On peut pas interagir, hein. C'est si on trouve un... Faut qu'on trouve un truc en fait. Un drone là. Vas-y. Oh c'est vide, c'est vide. Ok. Après l'univers a l'air sympa mais... Ok c'est... Rien. Il y a un truc... Je détecte des trucs hein, sur mon scanner. Hein. Ça bouge ou pas? Ça bouge. Non, ça bouge pas. Ça bouge pas. Est-ce que ça serait... Il y a pas de porte là. Ça serait plus vers... Attendez, il y a une porte. Il y a un truc qui bouge hein, là derrière, je sais, je le vois. Hein. Non, je voulais scanner. Ok. Très bien. Alors ça, c'est pas moi qui gère, c'est un peu bizarre. Bon, je m'en fous, j'ai trouvé un truc. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que c'est ça? Ah, ça me remet de l'énergie ou pas? Si je reste dessus. Elle est bloquée. Oh, j'imagine que ça va. Hein. Ok, c'est quoi que j'ai tué? Une saloperie. Il est gros, hein, il est moche. Je sais pas ce que c'est. Ok, il y avait d'autres trucs qui bougeaient ailleurs. Hein. C'était pas là du coup. On est d'accord qu'il n'y a pas de porte là. Non. Non, non, non. Ah, là-bas. Là, il y a un truc. Scan, hein. Ok. Signal inconnu.
Il y a un item à prendre. Ça devrait aller. Ah! Ça peut être utilisé... Ah, il y avait deux trucs à prendre. Ça peut être utilisé pour... Bon, je ne sais pas quoi, parce que du coup, ça marche pas. Pour mettre des nouveaux items, je ne sais pas. Bon, on est content, on débloque des trucs quand même pour les gens. Là-bas, il y a encore plein de trucs. Ça sent la mort ici, non? Je sais pas, hein, je dis ça complètement au hasard. Hein. D'ailleurs, il y a même une tête de mort, donc autant vous dire que j'ouvre. Bah, j'ai des armes. Hein. Ah, ils sont plusieurs quand même. Ah. Bah ouais, mais ça sentait la mort, mais j'avais envie d'aller voir... Ok. Bon, première mort, c'est pas grave. Alors les implants, comment ça marche? On est d'accord que... Extra batterie. Je peux pas... Non, je peux rien débloquer. Hein. Je clique. Hein. Oh, je clique. Donc on peut améliorer nos armes, apparemment. Bah, je peux peut-être pas. Hein. Bah ouais, j'ai pas de sous. Non, c'est ça. Ah non, j'ai ça. C'est ça qui est pris en compte. J'ai zéro, moi. Bah, va falloir que je refasse une mission. Inventaire. De toute façon, j'ai rien d'autre. Hein. J'ai rien d'autre. Hard, easy. On va aller à cargo. On retourne à cargo, voir. Ok. Bon, c'est pas le même. Hein. On va faire gaffe de pas se faire tuer cette fois-ci. C'est censé être facile, donc logiquement, ça devrait pas me tuer de suite. Je vois rien sur le scanner. Vous pensez que je peux ouvrir sans scanner? Ah, il y a plein de trucs là. Pas là, mais elle est où la porte? Elle est pas là. Là-haut. En tout cas, les copains, si jamais ce genre de jeu vous intéresse, n'hésitez pas à l'ajouter sur Steam. Hein. Si jamais. Ok, il n'y a rien. Bizarre. Je voyais un truc, non? Ah, c'est peut-être pas là. Après, faut aimer les roguelites. Là, il y a quelque chose, c'est sûr. Un seul boss, c'est ça que ça veut dire ou pas? Ah, j'ai envie d'ouvrir quand même. Hein. J'ai quand même des armes, quoi. Elle est capable de se défendre. Ah, il, elle. Ah. Human scavenger with thunder, ok. Ah, sérieux? Elle est nulle, notre perso. Faut peut-être avoir des meilleures armes. Tant pis. C'est tout. En easy, hein. On retourne là, hein, à l'université. Bah, en même temps, ça nous fait voir les maps, hein, ça c'est cool. Bon, cette fois-ci, on n'ouvre pas s'il y a un alien. C'est dommage, hein, mais... Elle est pas assez bien équipée, notre perso. Ok. Ah ouvre. Très bien. C'est où? C'est derrière quelle porte? Il faut passer par là, je pense. J'ouvre, j'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose derrière.
j'ouvre, j'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose derrière. Là par contre, oui. Ouais, non, mais laisse tomber, j'ouvre pas ça, moi. Non, non, non. Non, c'est bon. Non, je vais mourir. C'est pas la peine. Là, ouvre. Ce serait bien que je trouve un truc, quand même, histoire de gagner un peu d'argent. Après, il y a des trucs partout, même en haut, là-haut. Le problème, c'est que, ouais, je la sens pas quand il y a des... S'il y a qu'une personne, oui, mais... Ouais, je tente. Allez, vas-y. Tire, tire, tire. Ah, mais ils sont trois! C'est mort, hein. Bah ouais. Bah ils sont toujours trois ou je sais pas combien. C'est censé être facile, ça, hein. M'en fous, je prends celle-là. Je prends une normale, tant pis. En facile, ça marche pas, on va peut-être y arriver en normal. C'est pas sûr, hein, mais... de rien trouver comme ça. Non. Non, c'est mort. Dommage. Trop de monde. En vrai, ça m'en marque deux, mais comment je vais là-bas? Ah, j'étais peut-être obligée de passer par là. Peut-être pas. Non, non, peut-être pas. Là. Ah, là, je peux ouvrir, je pense. Oui, comme par hasard. Oh putain, ça mettait pas l'iForm. Pas y arriver. Oui, bah écoute, avec des normales. Bon, l'autre chance, c'était medium, peut-être que. On est d'accord qu'elle a des armes, elle, hein. Il, elle. Je dis Ezra, elle, mais ça se trouve, c'est un mâle. Ça se trouve, c'est un homme, hein. Un mâle. Allez, dites-moi qu'il y a personne. Après, c'est jamais sûr, quoi. Deux signales inconnus, un item. Je tente. Faut bien que je récupère des trucs, quoi. Ah. C'est pas grave, ça. Ça, ça me dérange pas plus que ça, parce qu'il y avait l'item, je l'ai récupéré. Ok. Hors de question. C'est hors de question. Ah, c'est bon, il y en a marre. Mourir tout le temps, hein.
assez vide, hein. Ça me dit vide, mais je suis à côté des autres. Là. Ok, bah ouvre. C'est un peu dommage qu'il n'y ait pas moyen de trouver des armes aussi. Bah dans les mondes quoi, mais bon. J'imagine que c'est fait exprès. C'est mort. C'est dommage, il y a plein de trucs, mais je peux pas. Est-ce que j'ai gagné... Comment on sait ce que j'ai gagné en... avec l'item trouvé? Après, il y a peut-être pas moyen tout de suite d'acheter des nouveaux trucs, mais... Voilà, je viens de là. Oh, je vais grimper un peu. Hein. En vrai, je suis pas obligée de perdre. Hein. Si j'ai pas envie de mourir, je peux me faire évacuer. Hein. Oh, y a rien du tout ici. Ok, super. On est content. On en vient. Là, j'ai fait. J'ai fait là-bas. J'ai fait là-bas. Y'a rien, y'a rien. C'est vrai qu'on peut courir, mais pas sûr que ce soit bien utile. Ah, il y avait celle-là, pardon. Allez, trouve-moi des trucs. Alors ça m'a fait la même et ça marquait pas qu'il y avait des gens, mais je suis sûre qu'il y a trois personnes qui m'attendent. Là, je tente. S'il y en a qu'un. Mais est-ce que c'est... Non mais tout à l'heure elle tirait toute seule, est-ce que c'est à moi de tirer? Après je sais pas comment faire, hein. Y a pas... Je sais pas s'il faut que j'appuie sur la souris, s'il faut que je... Mets ta balle. Okay. Je sais pas du tout. Je vais peut-être pas fait gaffe à l'écran, ça me met peut-être une touche à appuyer, j'ai pas regardé. Bon, elle marche dans de la cible, tout va bien. C'est très sombre ici. Okay. Il y a peut-être un truc à faire, à appuyer ou... Tenterai, je regarderai vite fait l'écran. Il y avait des gens là. Non, c'est un piège. Ok. Ça, j'ai récupéré un item. On va essayer de vite fait de se faire évacuer. Je vais voir si je gagne des trucs. Rocky,
Start the evacuation sequence. Evacuation sequence starting. Je garde ça. Je garde une arme un peu plus puissante. Alors du coup, un plan. Elle a toujours rien quoi. Je clique partout, on sait jamais. Non, bon bah tant pis. Shop. Ah mais attendez. Ouais mais j'ai rien. En vrai, vous faites plusieurs petites missions comme ça, vous récupérez un item. On donne des grenades. Ah, pas mal. J'avais oublié qu'il y avait un shop. Inventaire. Il y a moyen de mettre ça en première arme et ça en deux. Ouais, je pense. Ouais, c'est ça. Avec une meilleure arme, peut-être que je vais m'en sortir, je sais pas. Non, ça va aller. Il n'y a pas de loot. Bon, en fait, je pense qu'il faut farmer au départ, faut farmer les premières missions, juste vous trouver un loot et c'est bon. Ok, c'est de l'autre côté. Des trucs qui marchent pas apparemment. J'aime bien mon petit robot qui me suit. Bon, on le voit pas bien là, mais sympa. Pas de porte là ? Si là. C'est quoi ça, un lit de bébé ? Ça va, quand il y a ça, c'est pas bien grave. Enfin, j'ai l'impression que c'est pas super grave, ça. Fou, il y a le loot. Très bien. Je veux juste voir combien on gagne. Évacue-moi. Rocky, start the evacuation sequence. Evacuation sequence starting. Alors, 117, hein. Shop. Ah. Il y a encore quelques missions à faire. On en fait une dernière, les copains, juste pour en voir une autre. On va aller en hard, tiens. Juste pour voir. Ah, je pense qu'il va pas avoir beaucoup de portes que je vais pouvoir ouvrir tranquillement. Ils disent qu'il y a plus de loot dans les trucs difficiles, donc pourquoi pas essayer, mais il y aura sûrement plus d'ennemis aussi. Regardez tout ce bordel. Ah, ça donne envie, hein, mais non. C'est d'où je viens, ça, attendez. Je tourne en rond. Moi, je pense que je couvre. Il y avait quelque chose, quand même, non?
Est-ce qu'il faut que je clique quelque chose? Non. Non, ça sert à rien. J'ai essayé de cliquer sur la souris ou quoi que ce soit. Quand ils sont plus que deux... Oh, il y avait un loot, je l'ai eu en plus. Triché. Et on peut pas reculer, en fait. En fait, on peut pas ouvrir et reculer, quoi. Mais bon, c'est un peu le principe du jeu. En tous les cas, n'hésitez pas à l'ajouter sur Steam si ce jeu vous plaît. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Allez, ciao. Voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. Merci à tous de l'avoir regardée. Si vous aussi voulez faire partie de la liste des gens exceptionnels que vous voyez défiler sur le côté, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rejoindre de la chaîne. C'est de 0,99 centimes par mois à 14 euros. Ça vous offre certains avantages sur les autres et en plus, vous me soutenez, vous soutenez cette chaîne. Donc si vous aimez mon contenu, si vous aimez mes vidéos, si vous aimez la personne et si vous voulez que cette chaîne continue, bouton rejoindre. N'oubliez pas aussi avant de partir de laisser un petit like, de commenter et de vous abonner. Je réponds à tout le monde. C'était Lee et on se dit à bientôt. Allez, ciao.